Inas, 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 Meirich, 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 هذا سيخ الزمن, هذا سيخ الزمن, وقلنا وليوفين, قلنا وليوفين, قلنا وليوفين, قلنا وليوفين, ما غاسيش قلنا اللي تموت, ناس إناس, ناس إناس, ميرير, 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 هذا سيخ الزمن. Oui, bon matin, donc, chers auditeurs et auditeurs, et bienvenue, donc, au compte à rendre à la chronique à Koum Rassour. Et puis aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de recevoir l'artiste peintre, monsieur Jabri Abdel Fattah. Bon matin, bonjour, monsieur Jabri. Bonjour, monsieur Hakim. Ça va bien? Bah, très bien. Et puis, je vais donc lire, je vais essayer de lire un résumé. Très succinct donc de la bio de monsieur Jabri. Donc il était ou il est ex secrétaire général donc de l'Association nationale des artistes plasticiens ANAP, membre fondateur et ex secrétaire général adjoint de l'Union marocaine donc des associations des artistes plasticiens UMAAP, membre fondateur actif du syndicat des artistes plasticiens du Maroc, donc diplômé de l'enseignement ou de l'enseignement supérieur des beaux-arts, donc Liège, Belgique. Il détient aussi un certificat universitaire des études littéraires, section arts et lettres. Il est professeur ou il était professeur d'art plastique entre 81 et 2005. Monsieur Jabri, donc a débuté, on va dire, son cheminement dans l'art plastique à partir de 1968, où il a fait sa première exposition personnelle, donc individuelle, à 15 ans. Entre 72 et 85 expositions dans divers lieux à Casablanca. 79, donc Bab Rouah à Rabat, donc Galerie Café Théâtre Casablanca. Divers expositions à l'étranger, Liège, Bruxelles et Rotterdam. 86, donc une exposition au ANAP. Et puis 87, 30 deuxième FIC donc Casablanca. Et je vais essayer juste d'aller vers les dernières donc activités de monsieur Jabri, parce que ça je pense que ça va prendre un peu de temps de lire tout ça, pour dire que en 2009, donc le 8 mars fêté par l'artiste donc femme, entre 2010 et 2014, Meknes rend hommage à l'artiste monsieur Jabri, Festival international des arts. Nador rend hommage aussi donc à cet artiste au Festival méditerranéen international. Le Maroc n'est pas abstrait, galerie donc où du 2 mars à Casablanca, la nuit des galeries, donc monsieur Jabri a participé à ça. Le Maroc n'est pas abstrait au musée d'art Sultan donc Safi. Et puis Transart sur les airs de l'Aïta Safia, puis Transart sur les airs de Hawash Khalla, excusez, Hawash Khalla, merci. Et puis Joie, Chant et Couleur, Galerie Mine d'Art, donc à Casablanca. Et puis, si je peux me permettre une première question à monsieur Jabri, et puis une question un peu classique. Puis parlez-nous de vos débuts en art plastique et la découverte de ce bel art-là. Merci, c'est Hakim. Au début, je vous remercie de cette invitation. Et je remercie aussi les auditeurs du Bon Matin. Alors, soyez les bienvenus avec le concours de Jabri. J'ai commencé très jeune. Comme vous l'avez cité, c'était à l'âge de 15 ans. Et à partir de cet âge, je me suis trouvé vraiment dans le... Pour moi, c'était le bon chemin de choisir le domaine artistique. Donc, avec cette biographie, il fallait faire des hautes études artistiques pour mieux connaître l'art. Parce que quand on est bien basé, on ne peut pas avoir peur. Nous avons un bagage artistique, et ce bagage artistique, c'est avec une sélection de spécialités en peinture, en décoration, en dessin supérieur, en histoire de l'art. Et ma vraie inspiration au début,
surtout durant les années 70, c'était l'époque d'un art moderne, de Vasarely. C'était l'utilisation des formes géométriques avec ses dégradés, avec son cercle, tout un tourbillon de cercles. Et moi, j'ai essayé de voir ce monde. Pour moi, c'était un monde imaginaire, de jouer avec les cercles. Après avoir approfondi mes études, j'ai commencé à connaître les artistes qui ont fait l'histoire de l'art. Donc, durant mes études en Belgique, j'ai changé le style et j'ai essayé de voir avec la complicité de mon professeur à l'époque. J'étais inspiré par des artistes belges aussi, parce que les Belges font partie de l'histoire de l'art, surtout pour l'art flamand. Alors à partir de là, j'ai essayé de voir les recherches de Grommeler, de Lursa. C'était des gens qui faisaient des choses très belles sur la tapisserie. Et comme au Maroc, on a la tapisserie, donc j'ai essayé de représenter les sujets de tapisserie en genre de fresque de grand format. Et durant cette même année, j'ai commencé à étudier l'histoire de l'art en tant que spécialité. Donc à partir de là, j'ai constaté que je suis très orienté vers l'impressionnisme et l'expressionnisme à la fois. Donc il y avait entre Monet et Renoir. Et là, je me suis trouvé, j'ai dit, il faut être un artiste visualiste, c'est d'aimer le paysage. Et puis à partir de là, j'ai créé mon style personnel à moi, mais sans être influencé par la technique des grands maîtres. J'ai essayé de créer ma technique personnelle. Et je me suis lancé jusqu'à ce jour. Et à partir de 1976, c'était une vraie lancée, parce que j'ai décidé de retourner au Maroc. Et le terrain n'était pas vraiment assez riche avec d'autres artistes. Il y avait quelques-uns, mais ce qui m'a aidé à trouver ma place, c'est que les gens ne savaient pas qu'il y avait de jeunes talents qui ont terminé des études supérieures. Alors j'étais le premier Marocain à avoir le diplôme de l'enseignement supérieur des arts. Donc pour moi c'était Monsieur Diablé, si je peux me permettre une question, parce qu'il y a des gens qui disent que on va dire un grand poète ou un grand romancier, je parle en Amérique du Nord, parce que ce qu'il y a, c'est que ici les gens voient le résultat de, on va dire par exemple l'art, c'est les tableaux ou la poésie, on voit la poésie de quelqu'un et puis ils cherchent pas trop c'est quoi son bagage, on va dire universitaire et tout. Alors et les gens, pourquoi ils font comme ça, parce qu'ils disent il y a des gens qui ont des prédispositions d'être de grands artistes ou d'être de grands poètes ou de romanciers, et l'université ou les études universitaires, c'est un apport de plus. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette façon de voir les choses? Pour l'apport de plus, c'est essentiel, parce que tout le monde peut peindre et tout le monde peut écrire, ça il ne faut pas le nier. Parce qu'on est déjà, de naissance, on est artiste, de naissance. Parce que nous avons des goûts. Et nous avons un cerveau qui essaie de faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais en tant que créateur, moi je n'ai pas droit de dire que c'est mauvais. Parce que les goûts diffèrent. Mais en tant que professionnel, j'ai droit d'initier, de donner des conseils, d'aider ceux qui n'ont pas étudié à mieux connaître la matière. Parce que moi, je sais qu'il y a des artistes qui ne font pas la différence entre une peinture acrylique et une peinture à huile. Ça existe. Il y a d'autres artistes qui ne font pas la différence d'étoiles. Donc c'est à eux de choisir le matériau nécessaire pour travailler. Mais pour avoir un bagage universitaire, d'abord, c'est selon le métier qu'on va faire. Moi, en tant que professeur conférencier, je dois avoir mon bagage universitaire pour montrer aux étudiants autre chose qu'ils ne savaient pas. Alors, ce bagage, je le transmets et je le partage.
ça ne veut pas dire que je néglige la compétence des autodidactes. Au contraire, les autodidactes ont des recherches extraordinaires. Mais seulement, il faut savoir comment les rassembler et les utiliser pour rendre leur œuvre plus accessible. Non, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec vous, M. Djabris. C'est vrai que bon, il y a des autodidactes qui se débrouillent et puis qui trouvent un chemin. Mais ma question, c'est que c'est vrai que ça prend pas juste des autodidactes, des gens qui ont, on va dire, des prédispositions à être de grands peintres, des prédispositions à être de grands romanciers ou poètes. Mais c'est sûr que ça, l'étude universitaire, ça va leur ouvrir d'autres visions, d'autres. Mais juste, en tout cas, vous répondez à ma question. Mais je vais aller à une autre question. C'est que de 68, donc vos débuts dans l'exposition, jusqu'à 2014, comment vous pouvez décrire l'évolution justement de votre style ou de votre art? Mon évolution s'est faite selon les thèmes choisis de mes expositions. Alors, pour chaque exposition, j'essaie de faire intégrer un thème, non pas pour l'afficher, mais pour le discuter en conférence. Parce que la majorité des artistes choisissent des thèmes sur affiche. Et puis, un point, c'est tout. Alors moi, j'ai changé le système. C'est de, quand on choisit un thème, il faut l'expliquer au public. Donc, j'organise des conférences de presse pour montrer pourquoi j'ai choisi, par exemple, le Maroc n'est pas abstrait. Pourquoi j'ai choisi choix, champs et couleurs. Donc, il faut que le visiteur puisse connaître le thème, de quoi il s'agit. Et non pas de lui afficher une phrase, un point, c'est tout, plus des tableaux. Non, mes tableaux sont animés aussi durant l'ouverture par une musique. Je fais intégrer des troupes folkloriques. Moi, je n'appelle pas ce genre de folklore, mais des troupes du patrimoine culturel marocain, pour que les gens puissent connaître pourquoi on fait intégrer la musique avec les œuvres. Parce que c'est... La musique, c'est de l'art, la peinture, c'est de l'art. La peinture, c'est de l'art. Et même, j'avais créé, durant une année, c'était une première à Casablanca, en 1983, entre l'art et la poésie. C'était une première avec des compères en français. Donc, ça a donné, et on avait choisi un beau thème où il y a eu la présence des autorités locales, des ambassades, TV5 et le reste. Ben, ça a bien donné. Alors, chaque artiste doit préparer son exposition avec étude. Maintenant, l'art est devenu une question de marketing. Comment créer une exposition? Et pour chaque exposition, on découvre si on a laissé des lacunes ou pas. Donc, s'il y a des lacunes, on essaye de les couvrir pour ne plus tomber dans le même problème. De toujours s'améliorer. Il faut toujours améliorer les choses parce que nous avons des gens qui nous suivent. Mais vous parliez de quelque chose d'intéressant. Vous parliez de l'art visuel avec la musique et d'essayer de marier un peu ou de les unir. Et puis ça m'amène à une question parce que une fois j'ai assisté à un organisme qui s'appelle Arcible, donc eux autres c'est à peu près un principe similaire au vôtre, c'est que ils invitent des artistes peintres ou des poètes et puis ils exposent leur œuvre ou ils parlent ou donc ils partagent leur poésie, mais après ils donc échangent avec le public. Il y a un échange des questions et puis comment vous avez fait ça. Lui, il explique, on va dire, l'artiste peintre. Je me rappelle d'un artiste peintre mexicain. Puis il a apporté une œuvre. Puis lui, lors de l'échange questions-réponses, il a dit « Moi, je crois sincèrement que chaque œuvre, elle dégage de l'énergie. Elle dégage de, on va dire... l'énergie transmise par le peintre qui l'a peint. Et lui, il dit, moi souvent, lorsque j'assiste à des expositions, une fois il a dit à Mexico, c'était un grand peintre, je pense que c'était Monet ou quelque chose, il a dit, je suis allé discrètement devant une toile et il l'a touché. Il a dit, moi je touche. Il a dit,
J'ai eu des frissons, puis les larmes m'ont monté aux yeux. Alors, ça c'est juste une introduction. Ma question, est-ce que vous pensez que réellement une toile ou une œuvre, elle transmet une certaine énergie du peintre qui l'a peint? Alors, il y a des artistes qui cherchent à toucher la toile. Mais moi, je ne touche pas la toile. Je dis que la toile est un coup de foudre. Ou bien on aime, ou bien on n'aime pas. C'est comme ça. Parce qu'une toile attire. Alors, quand on visite une exposition... Non, excuse-moi, c'est sûr que si chaque personne elle touche une toile, elle va se dégrader. Mais il est artiste quand même, et puis il le fait discrètement. Oui, je sais, mais chaque artiste a sa façon de voir les choses. Parce que pour faire des analyses, moi, j'essaie d'être bref. C'est que je dis toujours, comment aimer une toile? Pour aimer une toile, il faut la contempler. C'est un coup de foudre. Moi, je prends une toile comme un être humain, une toile qui parle. Ou bien on accepte ses paroles, ou bien on les refuse. C'est ça la toile. C'est pour ça que je dis, c'est un coup de foudre. Ou bien on aime, ou bien on n'aime pas. Alors, même si on visite toute la galerie pour voir tous les tableaux, on est toujours attiré par la première œuvre qui nous a attirés. Et on reste souvent, on fait le tour, le premier tour et le second, mais on retourne à la première qui nous a attirés. Okay. Avec cette image, avec quoi, l'image qui tourne dans la tête. Mm-hmm. Ça veut dire que le visiteur a trouvé quelque chose qui le touche. Mm-hmm. Et la même chose pour l'artiste. Moi aussi, je suis artiste, je visite des expositions, et des fois, je suis attiré par une œuvre qui m'oblige à ne pas voir d'autres. Ça veut dire que je reste bouche bée devant, parce que je trouve que l'artiste a fourni beaucoup d'efforts pour m'amener à aimer un travail. C'est ça l'art. Okay. Il faut toucher, chaque personne trouvera son goût directement. Ok, donc c'est ça. Je rappelle donc, chères auditrices et auditeurs, que vous êtes à l'écoute de Radio Centreville, donc 102,3 FM et radiocentreville.com. Et puis à l'émission, donc les comptes à rendre, chronique à qui me reçoit. Et on est donc accompagné de l'artiste peintre, Monsieur Jabri. Et puis, si notre régisseur d'aujourd'hui, Monsieur Marc Lavoie, pourrait peut-être mettre un petit intervalle musical, donc ça sera le bienvenu. Le nom des pièces, donc Bent Bladi, c'est ça.
Salut donc, chers auditrices et auditeurs, et rebon matin. Donc, on est toujours à l'écoute de l'émission Les Comptes à rendre sur Radio Centre-Ville 102,3 FM et radiocentreville.com. Puis la chronique à qui me reçoit. Donc, on est toujours avec M. Jabri Abdel Fattah. Et puis, je vais juste lire donc, certaines distinctions de M. Jabri. Donc, certains tableaux. On fait donc certains de ces tableaux ont fait l'objet d'une affiche sur le Maroc, imprimée au Canada et en Italie. D'autres passent en vente aux enchères pour des œuvres sociales au Maroc. Plusieurs réalisations donc artistiques et décoratives privées donc ont été réalisées par Monsieur Jabri. Puis il figure dans le livre du docteur donc C.J. Massi, l'art contemporain du Maroc, donc page 175. Puis donc la prochaine question à Monsieur Jabri, c'est une question qui lui tient à cœur éventuellement, c'est de parler éventuellement du trans-art, et puis parlez-nous de ça éventuellement. Allez-y. Ben pour le trans-art, c'est une nouvelle expérience que j'ai pu faire. J'ai commencé à Safi avec la grande troupe de l'Aïta. Alors, cette troupe a donné le maximum d'elle. Et c'était durant un festival international, le deuxième festival international de Safi pour les arts plastiques. Et la grande surprise de l'événement, c'était ma participation de travailler le trans-art sur une dimension de 10 mètres sur 2. Donc, j'ai donné le maximum de moi-même parce que travailler la peinture en présence d'un grand orchestre avec un public qui dépasse 500 personnes, c'est un art qui demande beaucoup de souffle. Ça veut dire on s'oublie. Et surtout pour l'Aïta, c'est pas l'Aïta ordinaire, c'est l'Aïta des racines, de l'histoire. Donc on sent que les notes musicales pénétrer dans le corps. Et ça m'encourageait finalement à faire à m'absorber et à oublier le monde actuel pour être dans d'autres cieux. Et que pensez-vous, Jabri, vous parlez justement de ça, il y a d'artistes peintres et même d'artistes d'autres arts qui disent lorsque je suis en train de faire cet art, on va dire peindre, ils se sentent comme dans une bulle et puis tout ce qui est autour, pour eux, ils se concentrent juste à ça. Que pensez-vous de, est-ce que vous expérimentez éventuellement cet état d'esprit? Justement, on est en transe. Donc, on ne fait pas attention à l'entourage, seulement à la musique. Seulement à la musique, parce que c'est la musique qui crée le mouvement. Mmh. Et ce mouvement, il est très difficile de l'expliquer parce qu'il n'y a que l'artiste, un genre de jet de bas. C'est un genre de jet de bas. C'est un état d'âme qu'on est en train de faire. Oui, un état d'âme, mais le seul contact, c'est d'écouter la musique. On sent la musique, mais on ne fait pas attention aux personnes. Alors, c'était ma première expérience qui a eu du succès, mais en faisant la première grande partie, il y a eu l'intervention d'autres artistes pour terminer l'œuvre. Donc, il y avait une Tunisienne, un Suédois, et deux autres Marocains. Mais c'est moi qui avais lancé création du départ. Très belle initiative. On arrive éventuellement presque à la fin de l'émission qui était vraiment très, très, très intéressante. Donc, la discussion avec vous, M. Jabri. Si vous avez éventuellement mentionné le site web, bien page Facebook pour que les gens vous visitent. Ben oui, sur Facebook, c'est Abdel Fattah Jabri. Donc, facebook.com/ Abdel Fattah Jabri. Et pour le site, c'est www.abdelfattahjabri.com. OK, ben parfait. Ben merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Puis on vous laisse avec cette chanson. Donc, un choix éventuellement de M. Jabri. Ah!
to happen.